Là, on va voir comment gérer les messages privés sur Facebook et dans les messages privés, on va voir comment faire de la vidéo en ligne. Pour cela, je vais aller chercher la personne à qui j'ai envie de parler ou d'écrire. Donc, je note le nom de la personne. Je la sélectionne et je clique sur mon message. J'ai l'historique de mes messages. Je peux aussi, pour voir l'historique des messages privés, cliquer sur le F du fil d'actualité et accéder par ici. Hop, ça vient. Et là, en fait, j'ai l'historique de tous mes messages. Voilà, je retourne où j'étais. Je vais rechercher la personne à qui j'ai envie d'écrire ou de parler. Voilà. Et je clique sur message. Si je veux l'écrire, je lui fais coucou. Je lui envoie. Je peux rajouter des icônes. Éventuellement, voilà, il le reçoit et lui peut me répondre. Voilà. Il est en train de me répondre. Voilà. Les petits traits veulent dire que la personne est en train d'écrire. Et voilà, il m'a répondu. Je peux l'appeler directement via une caméra. Moi. Et là, bah, je vois la personne. Alors là, il y a des interférences. Je raccroche. On peut se parler comme ça parce que je vous invite à prendre un casque si vous voulez parler pour éviter le son que vous venez d'entendre. Voilà.